Notre invité politique ce matin, c'est Aurore Laluc. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, députée européenne. Vous êtes co-présidente de Place Publique avec Raphaël Glucksmann. On va évidemment parler du budget de l'Union européenne. Mais d'abord, une petite question sur l'actualité, puisque après 3 années de crise, c'est l'heure de la réconciliation entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron est arrivé hier sur place pour une visite d'État de 3 jours à la clé de nombreux contrats dont le montant global atteindra jusqu'à 10 milliards. Est-ce que vous mettez ça au crédit du chef de l'État ? Je ne sais pas si c'est la question des contrats que je mets au crédit du chef de l'État. C'est surtout le fait qu'à un moment, il faut entrer en dialogue. La situation, les relations avec la France sont relativement tendues. Je pense que à chaque fois que je suis critique vis-à-vis du chef de l'État, je le dis tout haut. Là, on est dans un moment où c'est important d'entrer en dialogue. Après, on va voir ce que ça va donner. Parmi les sujets abordés, il y aura la question de l'immigration. On sait qu'il y a une nouvelle loi immigration qui est annoncée pour le début de l'année, notamment pour transposer le pacte asile et immigration que vous avez voté au Parlement européen. Vous avez voté contre. Bruno Retailleau, qui est sur place au Maroc, lui veut plus de fermeté avec les pays d'origine. C'est ça la bonne réponse ? Non, la bonne réponse, on voit bien que ça ne marche pas. En fait, on voit bien que c'est pas ça le sujet. C'est pas comme ça que fonctionne l'immigration. Ce qu'il faut, c'est avoir des voies légales d'immigration, organiser l'immigration. On l'a toujours dit, notamment avec Raphaël Glucksmann pendant la campagne des européennes, parce que ce sont des flux qu'on n'empêche pas. Et par ailleurs, ce sont aussi des flux dont on a besoin économiquement. Faut aussi arrêter d'être un peu hypocrite vis-à-vis de cette question. Si vous regardez par exemple l'économie française, eh ben l'économie française sans l'immigration, elle tourne pas, les restaurants ne fonctionnent pas, une partie des hôpitaux ne fonctionne pas bien non plus, etc. Donc il va falloir apaiser un peu la situation, réussir à avoir à un moment un débat apaisé sur les questions d'immigration et arrêter d'avoir chaque année une nouvelle loi qui vient crisper toujours un peu plus le débat. Je sais que Thierry Baudet du CESE avait dit récemment pourquoi pas organiser en fait un débat au CESE dans une instance comme ça qui permet de refroidir un peu les débats afin qu'ils soient apaisés. Je pense que c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est l'ambiance du moment, j'ai envie de dire? Ursula von der Leyen aussi, elle est plutôt sur un durcissement de la politique migratoire sur le plan européen. Je pense que c'est malheureusement une réponse un peu facile et un air du temps qui n'est pas vraiment là. Parce que quand vous regardez les préoccupations des Européens d'ailleurs et des Français, c'est à peu près toutes les mêmes. Hein. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question du travail, c'est la question de l'éducation, de l'accès à la santé, etc. Finalement, les questions d'immigration sont très très loin. Donc attention à ne pas tomber dans des jeux un peu faciles qu'on ne maîtrise pas bien par ailleurs. Et qui pourraient déboucher sur quoi ? Qui débouche en fait sur, mais ce que je disais, c'est-à-dire le fait qu'on est incapable d'avoir un débat apaisé, qu'on revient finalement chaque année avec des lois parce que ça ne fonctionne pas bien. Donc en fait, c'est un durcissement de façade. C'est ça en fait le problème. On parle du budget, puisque l'examen se poursuit au Parlement. Michel Barnier qui n'active pas le 49-3, oui. Qui laisse les débats se poursuivre, malgré le fait que les députés ont dépassé le temps imparti, en tout cas pour la première partie du budget. Vous saluez, au moins sur la forme, ce temps laissé au débat parlementaire? Ah, c'est compliqué, oui et non. Oui, quelque part, et non à la fin des fins, parce qu'en fait, on sait que ça va se finir par un 49-3. Et je pense qu'on est dans une situation où on est en train de laisser le débat un peu... Ça pourrit le débat, finalement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va finir par un 49-3. Certes, il y a eu une chance qui a été donnée au Parlement, mais c'est une chance un petit peu fictive qui a été donnée au Parlement parce que les débats n'ont pas été organisés de manière, disons, sereine. C'était très difficile d'avoir une vision globale sur ce budget. C'est un budget qui ne va pas ni en termes de montant. Ça, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer, je pense, aux Français et aux Françaises. L'effort budgétaire qui est proposé par le gouvernement, en termes de niveau, c'est 60 milliards, ce n'est pas ça qui est demandé à la France au niveau européen. Faut vraiment là, c'est 110 milliards sur 5 ans. On est autour d'une vingtaine de milliards par an. Donc cet effort qui est demandé aux Français en termes de niveau, il n'y a pas besoin de faire cet effort-là. C'est un effort qui est, encore une fois, de la communication politique. Avant, on avait un ministre qui était M. Bruno Le Maire qui disait « il n'y a pas de problème sur la dette et les déficits, je gère, je suis un génie de l'économie ». Manifestement, l'économie n'a pas compris son génie. Là, on est
à nouveau, cette fois-ci, dans la sphère opposée, disons, mais sur un exercice de communication politique, il n'y a pas besoin de faire un tel effort. 60 milliards, il n'y a pas besoin. Et par ailleurs, on a dû redécaler encore l'année, c'est-à-dire c'est 2029 maintenant, où on rentrera dans les clous européens, où on repassera sous les 3%. Mais ça, c'est, je pense que malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que si le gouvernement fait ce qu'il compte faire, ça va quoi ? Ça va impacter la demande, ça va impacter la croissance. Et en fait, tous ceux, et j'en fais partie, qui avons alerté sur le fait que depuis 2 ans, la France n'était pas dans les clous, on a tous le même diagnostic, on dit mais en fait, si on impacte à ce point-là l'activité économique, on va avoir le même déficit l'année prochaine. Il faudra faire quoi ? La même chose ? Donc non, on n'a pas besoin de ce niveau d'économie. C'est pas ça qui est demandé et ce n'est pas crédible. C'est-à-dire que du côté européen, ce que nous demandons, c'est de la crédibilité. On ne demande pas qu'on nous dise soit tout va aller bien, comme disait Bruno Le Maire, avec des chiffres de la croissance qui n'étaient pas les bons, soit, mon Dieu, je vais faire un effort énorme et en fait, qui n'aura pas l'impact attendu. On demande juste une trajectoire crédible, plutôt saine, etc. Donc l'effort demandé, vraiment, il n'y a pas besoin de faire cet effort-là. Et par ailleurs, la façon dont il est réparti dans la société, c'est pas normal, c'est pas juste en fait. On va revenir dans le détail, mais le gouvernement, on l'a vu pendant cette première semaine de débat, le gouvernement et le camp présidentiel, là, ils pointent l'overdose fiscale de la part des députés de la gauche, du nouveau Front populaire. Est-ce que c'est la gauche qui multiplie un peu les taxes et les impôts, c'est la meilleure manière de redresser nos comptes ? Mais en fait, déjà je trouve ça, je vais vous dire, je pense qu'à un moment le gouvernement doit être humble. Quand on a... Ce qui se passe là, en 2024, sur cette trajectoire, c'est inédit. En temps de non-crise, on a un dérapage de 50 milliards sur un an. 50 milliards sur un an. C'est inédit, ça n'est jamais arrivé hors période de crise. Donc je pense que le gouvernement devrait être un petit peu humble. Ça, c'est le premier point. Juste vous l'expliquer comment ce dérapage. Est-ce que le gouvernement a menti ? Est-ce que le gouvernement n'a pas été suffisamment compétent pour jauger exactement ce que pouvaient être les prévisions économiques ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je vois mal Bercy ne pas alerter sur le fait que les prévisions de croissance n'étaient pas les bonnes. Donc je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement, à mon sens. Du moins, je l'analyse de cette façon et je pense qu'il devra rendre des comptes. Ça, ce sera déterminé, mais on doit le savoir, ce qui s'est passé. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un entêtement idéologique. C'est-à-dire que le gouvernement tablait sur une politique de l'offre qui, au bout d'un moment, allait relancer la croissance de telle façon qu'on allait avoir des rentrées fiscales. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Faire une erreur en politique économique, ça arrive. S'entêter à ce point-là, ça devient criminel, en fait. C'est-à-dire que là, on voit bien que le gouvernement ne remet pas en cause, finalement, ce que je dis depuis 2 ans, c'est-à-dire que leur politique fiscale coûte extrêmement cher, ce que la Cour des comptes dit, ce que la Commission européenne dit, ce que le Fonds monétaire international dit. On a l'impression d'avoir, je sais pas, une sorte de forcené, des forcenés qui veulent pas se remettre en cause et qui, au lieu de se remettre en cause, préfèrent faire quoi ? Eh bien, parler de tickets modérateurs, parler des délais de carence des fonctionnaires, etc. Ce n'est pas ce qui est demandé par la Commission européenne, ce n'est pas ce qui est proposé par la Cour des comptes, ce n'est même pas ce qui est dit par le Conseil économique, qui dépend par ailleurs du Premier ministre. Donc, il y a un moment, il faut quand même sortir du déni et arrêter de faire des propositions qui vont abîmer un peu plus la société française. Sur ce qui a été voté la semaine dernière, la gauche a obtenu que la taxation des plus riches soit pérenne et non pas exceptionnelle et temporaire comme le souhaitait le gouvernement. Vous entendez ce que dit le gouvernement, que pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit temporaire. Est-ce qu'il y a un risque du coup de faire partir les plus riches de ce pays ? Non, et je vais vous dire qu'il y a un moment aussi, il faut savoir être solidaire. Quand on est milliardaire, être taxé, c'est indolore. Ça ne change strictement rien à votre mode de vie. Rien. C'est de l'argent que vous avez, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc remettre de la justice fiscale, faire de la solidarité, à un moment où on sait qu'en plus la politique fiscale du gouvernement a particulièrement favorisé les plus riches, c'est normal. En fait, ça demande zéro effort. Donc je ne vois pas pourquoi on demanderait des efforts à nouveau aux classes moyennes, à certains fonctionnaires, etc., alors qu'on est en train de créer tout un narratif, finalement, pour justifier le fait que des gens très, très riches, faudrait faire attention à eux, parce que, attention, si on les taxe, ils vont partir. Non, il faut arrêter avec ce narratif-là, c'est ce qui nous a... Pour vous, il n'y a pas de risque ? Mais si on met une exit tax, par exemple, il n'y a pas de risque. Et je vais vous dire, l'idéal, ce serait de le faire au niveau européen, c'est toujours ce que j'ai défendu, par ailleurs. Et ensuite, s'il y a un risque,
Ben, je crois qu'il va falloir à un moment aussi un peu hausser le ton et dire aux ultra-riches qu'ils ont la chance d'être dans un superbe pays qui s'appelle la France et que les Français méritent mieux que de les voir partir parce que quoi, on toucherait à de l'argent qu'ils n'utilisent pas. Mais hausser le ton, ça va suffire à les faire rester pour vous ? Pardon ? Hausser le ton, ça va suffire à les faire rester ? Je pense qu'on est dans une dynamique mondiale qui est en train de changer sur la question de la taxation. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, la taxation des super riches est un espèce de truc tabou. On voit bien qu'aujourd'hui, même le G20 dit qu'il va falloir taxer les super riches. Donc je pense que les tons sont en train de changer, heureusement. Vous parliez des fonctionnaires, le gouvernement qui serre la vis hein, sur la fonction publique. Il veut passer les jours de carence de 1 à 3 pour la fonction publique comme dans le privé. Est-ce qu'il n'a pas raison de s'attaquer à l'absentéisme des fonctionnaires ? Il s'attaque aux absents, il ne s'attaque pas à l'absentéisme, et c'est différent. En fait, sur la question de l'absentéisme, la dynamique, elle est partout la même, dans le privé, dans le public, partout en Europe. Qu'il y ait des systèmes avec des jours de carence ou pas. Ça veut dire que le problème, il est ailleurs, en fait, fondamentalement. Et on le voit qu'avec le Covid, eh ben, y a des choses qui ont un petit peu changé. Ensuite, si on prend maintenant la situation des fonctionnaires, on se rend compte de quoi ? Ben, qu'il y a des fonctionnaires qui sont beaucoup moins absents que des gens du privé. On peut par exemple penser aux profs. Et puis, si on regarde dans son ensemble cette mesure, c'est des économies de bout de chandelle. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement propose ça en fait. Et c'est pourquoi est-ce qu'il va en plus jeter comme ça l'opprobre sur les fonctionnaires dont on sait qu'on a du mal à les recruter. Il faut se rappeler qu'on organisait encore des speed dating il y a 2 ans pour pouvoir recruter des profs. On a du mal à recruter dans la fonction hospitalière. Donc on les a applaudis au moment du Covid, on était très contents qu'ils soient là. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Non, la réalité, c'est que c'est une opération à chaque fois de contre-feu, populiste, pour ne pas avoir à se remettre en cause. C'est-à-dire que plutôt que de, encore une fois, accepter le fait qu'il y a eu des erreurs faites en termes de politique économique, qu'il faut donc revenir en arrière, ce n'est pas grave, ça arrive, eh ben, ils préfèrent rester finalement dans cette stratégie de la grenade dégoupillée. Théorisé par Emmanuel Macron, où en gros on jette comme ça des contre-feux, des choses qui abîment la société, qui vont cristalliser un peu plus les divisions, et c'est extrêmement irresponsable. Et en cela, je dois avouer que je suis très déçue par le gouvernement Barnier, parce que ça veut dire qu'ils ne rompent pas avec cette stratégie politique du macronisme qui est délétère pour la société. En cas d'utilisation du 49-3, qui paraît quand même assez probable à un moment, est-ce que vous pensez que le gouvernement va garder une ou plusieurs mesures qui ont été poussées par la gauche ? Et s'il ne doit en garder qu'une, vous souhaiteriez que ce soit laquelle ? La taxation des plus riches serait essentielle. Après, on va voir. Ça, c'est entre les mains du gouvernement. Mais pour l'instant, je suis assez pessimiste. Mais vous ne sentez pas un changement de méthode, pour le coup ? Plus d'écoute, plus de prise en compte des apports des c'est parlementaires et de l'opposition. C'est quelque chose qu'on pouvait se dire au début, je trouve, du gouvernement et des débats. Mais même dans sa feuille de route, en fait, sur la question budgétaire, on voyait bien que les chiffres n'étaient pas forcément les bons. On voyait bien qu'il y avait aussi un exercice, encore une fois, de communication politique. Et ça, je trouve que c'est tout à fait problématique. Un mot sur le budget de la sécurité sociale et les retraites, hein, puisque c'est évidemment un sujet important. Sur le décalage des pensions de retraite, est-ce que s'il y a un seuil qui est mis pour que les petits retraités ne soient pas touchés, pour vous, c'est un bon compromis, c'est quelque chose d'acceptable ? Ce serait essentiel de le faire. Ce serait essentiel de le faire, ça c'est sûr. Mais encore une fois, on pourrait ne pas toucher à ça. Hein. J'insiste, c'est-à-dire que ça pourrait être un compromis si on était dans une situation qui nécessitait d'aller vers ce type de mesure. On n'a pas besoin d'aller vers ce type de mesure. Si par exemple, on conditionne beaucoup plus les aides aux entreprises, on peut faire des économies jusqu'à 10, 20 milliards. Si on fait une taxation plus juste sur les super riches, pas que sur leurs revenus, parce qu'en fait, la question, c'est plutôt celle du patrimoine. On peut, là aussi, avoir des recettes substantielles, 10, 20, 30 milliards, en fonction des calibrages qu'on peut avoir. Donc, oui, ça pourrait être une solution de compromis. Mais encore une fois, le problème, il n'est pas là. On n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a pas besoin, surtout, de faire porter à l'ensemble de la population des erreurs faites par des responsables politiques. Il faut aussi mettre les collectivités locales à contribution, selon vous ? Je ne pense pas comme ça. Même chose, elles n'ont pas du tout les mêmes contraintes que l'État. Hein. Elles ont une obligation, elles, d'être à l'équilibre. On leur demande de plus en plus. On leur enlève là aussi des recettes. Non, encore une fois, je pense que le gouvernement doit accepter la réalité, lire les documents qu'on lui a envoyés depuis 2 ans, écouter un peu ceux qui ont été critiques. Le sujet, c'est qu'il y a eu une politique fiscale
qui n'a pas été financée, qui a coûté excessivement cher et qui n'a pas apporté ses fruits. Et maintenant, il faut revenir là-dessus. Encore une fois, c'est ce que dit la Cour des comptes, c'est ce que dit la Commission européenne. On est tous d'accord là-dessus, on est tous alignés. Donc maintenant, il faut sortir du déni. Arrêter d'abîmer comme ça la société, arrêter de faire tout peser sur les classes moyennes et sur les gens finalement qui n'y peuvent rien et qui sont piégés parce que les retraités ne vont pas pouvoir aller s'exiler ailleurs qu'en France. Il faut arrêter avec ce jeu-là, je trouve que ça abîme vraiment le pays. On le disait tout à l'heure, la France qui a repoussé à 2029 l'échéance pour revenir dans les clous des 3%. Est-ce qu'il y a une perte de crédibilité de notre pays sur la scène européenne? Oui. Et la perte de crédibilité, elle commence régulièrement avec les coups de menton d'Emmanuel Macron. Elle se poursuit et elle s'achève, je serais même tentée de dire, avec la dissolution le soir des européennes. Ça a été très mal vécu par nos partenaires américains, européens. Ça a été très mal vécu au sein du Parlement européen. Parce qu'en gros, il y a eu une réelle peur de voir arriver le Rassemblement national au pouvoir. Et ça n'a pas fait rire, si vous voulez. Ce coup politique a montré qu'Emmanuel Macron, c'était le discours de la Sorbonne, son engagement pro-européen, etc., n'était pas si sincère que ça. Et ensuite, sur la question du budget, oui, il y a une perte de crédibilité, parce que, si vous voulez, la France, c'est pas un pays, normalement, qui revient avec des chiffres différents tous les mois. Or là, dès le début... du côté des institutions européennes, on était quand même assez dubitatif sur les chiffres de croissance proposés. Et de voir la France revenir régulièrement avec des nouveaux chiffres, oui, c'est une perte de crédibilité assez importante. C'est pour ça que j'insiste, plutôt que d'avoir un effort substantiel qui ne sera pas tenu sur cette période-là, on demande, nous, côté européen, une feuille de route crédible et plus douce. On passe au reste de l'actualité, et notamment en Géorgie, où la commission électorale a annoncé la victoire du parti pro-russe au pouvoir. Bruxelles demande une enquête sur des fraudes électorales. La commission électorale annonce ce matin un recomptage partiel des votes. Est-ce que ce résultat, il éloigne de facto la Géorgie de l'Union européenne? Mais en fait, c'est aussi nous qui nous éloignons de la Géorgie. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que ce qui se passe là, de nombreuses personnes, Raphaël Glucksmann en premier, avait alerté, notamment sur le rôle de certains milliardaires, etc., dans ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie. Et je pense qu'il ne faut pas laisser tomber la Géorgie. Donc on a vu que certains ministres européens avaient pris la parole. Pour l'instant, ils ne sont pas tous présents à condamner ce qui se passe en Géorgie. On a vu qu'Orban, lui, en revanche... était en soutien. Donc l'unité européenne, elle va être essentielle sur ce type de dossier. Et vous craignez qu'elle ne soit pas au rendez-vous? Il faudra qu'elle soit au rendez-vous. Il faut que l'Union européenne soit au rendez-vous. Le monde a changé. Hein. Les blocs se sont reformés. L'Union européenne doit être unie et doit parler à chaque fois d'une voix forte. Et ce n'est pas tant la Géorgie qui s'éloigne de nous. On sait que la population est pro-européenne. Mais nous, on ne doit pas s'éloigner d'elle. Sur tout ça. On parle des États-Unis, puisque vous en revenez. On est maintenant à une semaine du scrutin de cette présidentielle. Quel est l'état d'esprit des Américains? Quand on parle avec les Américains, que ce soit des républicains, disons non-trumpistes et démocrates, il y a une réelle inquiétude, en fait, de voir effectivement Donald Trump arriver. Après, ce n'est pas une inquiétude partagée, puisque le pays est vraiment divisé. Vous l'avez senti, ça? Oui. C'est une élection qui s'annonce vraiment très serrée. Oui. Il y a une vraie division. Il y a une vraie division. Il y a une vraie division. On sent que Donald Trump peut faire à peu près n'importe quoi et dire n'importe quoi. Il a un socle qui ne bouge pas. On va voir ce que ça donne dans les états clés. Mais oui, il y a une vraie, division. Et on est sur des élections qui n'ont jamais été à la fois aussi importantes pour les États-Unis, mais pour le monde et pour l'Europe notamment, parce qu'on va voir quid du soutien à l'Ukraine, etc. Mais oui, c'est très très serré pour l'instant. Après, reste à voir si le meeting de Trump ce week-end, où il a insulté toute une partie de la population américaine, la communauté dite latino, est-ce que ça va avoir un impact ou pas? On a senti aussi, je trouve, dans son discours qu'il préparait finalement le terrain à quelque chose d'assez insurrectionnel. À voir, mais oui, on sent un pays qui est effectivement divisé. Ouais. Il y a un déficit de notoriété de Kamala Harris aussi? Oui, on sent même chose. Ça a été une vice-présidente assez discrète
Et finalement, bah, même si elle a, elle a eu une très bonne dynamique de campagne jusqu'à présent, et moi j'espère que ça va continuer, oui, il y a un déficit par rapport à un Donald Trump qui a été présent, il faut le rappeler, dans tous les écrans. Avant d'être président américain de télé des Américains, puis ça a été un président, et c'est quelqu'un qui crée du buzz, aussi horrible soit-il, tous les jours, finalement. Donc c'est pas simple pour une Kamala Harris qui a été plus discrète, d'essayer d'exister face à ce type de personnage. Est-ce que l'Union européenne et la France ont tiré les leçons de Trump 1 ? Est-ce qu'elles sont prêtes à une éventuelle arrivée au pouvoir de Trump 2 ? Oui et non. Oui, dans le sens où Donald Trump a dit qu'il allait augmenter les tarifs douaniers et l'Union européenne a dit bah, « cette fois-ci, on prépare, nous, une task force et on répondra. Si vous augmentez vos tarifs douaniers, on fera exactement la même chose. » Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Non, dans le sens où je pense que quelque part, mais c'est comme une partie des Américains estiment que « allez, Trump, il ne va pas vraiment faire ce qu'il dit, finalement. » Il y a une volonté de quand même essayer de se rassurer. Et puis, surtout, il va jouer sur nos divisions. C'est surtout ça, le sujet. C'est-à-dire que même, par exemple, sur la question des droits de douane, il sait très bien qu'il y a certains pays, ça ne les dérangerait pas d'augmenter les droits de douane en réponse à la situation américaine. D'autres pays, non. C'est vraiment un crash test aussi pour l'Union européenne, cette élection. Si jamais Trump passe et qu'il fait... ce à quoi il s'est engagé, il faudra que l'Union européenne soit absolument unie et parle d'une seule voix pour qu'il n'y puisse pas jouer sur nos divisions. Ouais, il y a la question des droits de douane, il y a la question de la défense aussi. Est-ce qu'on a gagné en autonomie pour faire face à un Trump 2 ? Pas assez. Non, pas assez. Sur la question de la défense, c'est très clair que c'est aussi le sujet. Il y a deux sujets, enfin, il y a plusieurs même. Il y a la question de la défense, il y a la question de l'OTAN, il y a la question de l'Ukraine. Non, on n'est pas totalement prêt. Après, je pense quand même qu'il y a une certaine prise de conscience jusqu'où... mais elle n'est pas complète encore, à mon avis. Vous êtes inquiète des conséquences d'une arrivée de Trump au pouvoir sur les conflits en Ukraine et au Proche-Orient ? Bien sûr. Parce qu'on sait, ça pourrait changer le cours des deux guerres ? Ça pourrait changer le cours des deux guerres, notamment en Ukraine, puisqu'il a une position qui a été très claire. Et après, d'un point de vue économique... il a un programme aussi qui aura un impact mondial. Une dernière question d'actualité sur votre collègue au Parlement européen, Jordan Bardella, puisque la SNCF a refusé hier la campagne de pub pour son livre. Dans les gares, le président du RN, il crie à la censure. Il a raison ? Alors, je crois que ce n'est pas la SNCF qui a refusé, mais l'agence en charge de cette campagne de publicité qui est attachée à la neutralité politique, si j'ai bien compris, et si j'ai bien compris aussi, c'est pas le seul qui a vu un non-affichage. Donc il y a eu d'autres personnes qui n'avaient strictement rien à voir par ailleurs avec le programme politique du Rassemblement national. Donc c'est un problème, je dirais, qui n'est pas celui qu'il veut bien. C'est pas de la censure. C'est pas de la censure de la SNCF. Pour le dire clairement. Vous l'avez beaucoup accusé pendant la campagne européenne de ne pas suffisamment travailler au Parlement européen. Vous diriez encore la même chose ? Je le vois toujours pas, Jordan Bardella. Après, on va voir quelle va être la stratégie du Rassemblement national pendant ces 5 ans à venir. Hein. On va voir. Mais pour l'instant, non. Donc vous dites la même chose. Merci, Aurore Laluc. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce Merci matin.